connectant en même temps sur Insta. Coucou. J'espère que vous aussi. Ah ouais, donc, je vais avoir peut-être un petit bug ici. J'ai enlevé ça. Voilà, ça devrait aller mieux. J'ai enlevé ma connexion de données. Alors, c'est pourquoi mon écran se fait toujours noir sur Insta. Si quelqu'un le sait, dites-le moi parce que là. Voilà, peut-être comme ça. J'appuie sur des petites étoiles sur le côté, je sais même pas ce que c'est. C'est la même chose ici, quoi. C'est sombre aujourd'hui. Il fait noir, noir, c'est noir. Attends, mes anneaux sont au maximum. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, on se retrouve pour le petit rituel soin de peau du soir pour avoir une belle peau. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, c'est bon, c'est épinglé. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, mais c'est pas grave. Mais plusieurs fois, pas du tout. Je fais ma petite mise en place. Le temps que vous arriviez, je sais que c'est un nouvel horaire. Vous savez, à partir du... Vous ne m'avez pas vu ce matin. Je crois que vous avez pu me voir beaucoup le matin. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que c'était notre petit moment à nous où on aimait bien prendre notre petit café ensemble et tout ça. Mais en fait, à partir du 1er février, je vais commencer le matin à 6h. Donc, venir en live maquillage à 5h du matin, du coup. Je suis désolée, mais pour l'instant, je m'en sens pas capable, en fait. Je me sens pas capable de me lever, du coup, à 4h30 du matin pour être en live à 5h. Pour être sûre à 6h d'être prête pour le travail. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Je suis vraiment désolée, moi aussi j'aimais beaucoup ce moment qu'on partageait ensemble. Mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours les replays. Donc je vais venir plus tôt le soir. Alors je sais pas encore trop quelle heure. Je sais que 21h ça fait un peu tard. 18h30 vous êtes déjà en train de préparer le repas. Donc, dites-moi un petit peu si cet horaire de 20h, ça vous convient ou pas, en fait. Voilà, je vais vous interroger. Allez, interrogation écrite. Dites-moi un petit peu ce que vous, ça vous change. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve ce soir pour soin du visage. La totale. La totale de chez Total. On va faire le nettoyant, on va utiliser, ah quoi qu'il y ait peut-être pas dedans, parce que si je l'utilise sans mon petit bidule, ça ne va pas le faire assez bien. Donc hop, mon petit truc pour le nettoyer encore mieux, là c'est tout doux. Ça, on avait eu ça en cadeau il y a 2 ans, Black Friday. On va se faire du bien, on va se faire du bien. Anaïs, ce matin, m'a dit, maman, ta tête, franchement, le matin, ça fait peur. C'est vrai, hein, ça fait peur, hein, non maquillé, hein, je la comprends. Hein. Mais bon, quand même. Quoi. Coucou Myriam! Gros bisous à toi. Oui, il y aura toujours le replay, de toute façon. Il y aura le replay, et au cas où vous aurez du mal à retrouver les vidéos, que ce soit sur Insta ou sur Facebook, j'ai une chaîne YouTube à mon nom, Marie-Laure Duc, et je remets tous mes lives dessus. Donc, vous pouvez aussi les retrouver facilement. Allez, hop, on va se faire encore plus belle que nous le sommes déjà, n'est-ce pas? Hop. Allez, dites-moi en commentaire un petit peu le matin, quelle heure vous vous levez. Si vous êtes élève tôt et tout, mais en général pour le travail ou pour les enfants ou quoi, à quelle heure vous vous levez? Eh, bah oui, je mets bien mon petit neuneu quand même. Attendez, j'essaie de mettre ça bien là. Ce truc qui est toujours... je sais pas si vous en avez des bandeaux, mais franchement, c'est pas tip top. Hein. Souvent, ça remonte au-dessus des oreilles. Donc, on va le descendre bien. Hop! Parce que vous parlez pas, parce que de toute façon, je ne vous entendrai pas.
N'oubliez pas de partager cette vidéo. Vous savez que ça m'aide, mais tellement, tellement, tellement quand vous me partagez. C'est juste énorme. Donc, merci, merci, merci à toutes les personnes qui partageront ce live. Allez, on y va. Donc là, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui. Sinon, pour me démaquiller, on a les lingettes démaquillantes. On a la nouvelle eau démaquillante. Hop, ici, ça fait une eau. Pas trop liquide en fait, ça fait comme un peu une eau gel. Et on a aussi, mais là je l'ai pas là parce que moi je le mets dans mon frigo parce que dans ma salle de bain il fait très chaud, c'est le baume démaquillant parce qu'une fois je l'ai laissé dans ma salle de bain et il était devenu tout liquide. Bon, après je l'ai mis dans le frigo et puis voilà quoi, c'était pas grave en soi, il s'est ressolidifié, mais voilà. Voilà, bon, Instagram devient tout noir tout le temps et je ne sais pas trop pourquoi. Attends, du coup, je dois mettre mes lunettes comme ça. Je vais casser mes lunettes parce que je les vois plus là. Toi, debout à 6h45, hop, 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 douche, maquillage rapide et debout les monstres à 7h. Ouais. Ah ouais, rapide, du coup, un quart d'heure, la douche et tout, rapide, rapide, rapide. Ouais, ben moi, là, comme je commence à 6h, oh, j'ai faim bien avec mes lunettes comme ça, là. Ça va être levé. Et ouais, c'est vrai que le live, vous savez, il y a de la préparation avant. Faut préparer, il faut installer les téléphones. Si c'est un live maquillage, il faut pas que j'oublie ma photo avant et mon appareil, mon téléphone. Mais une plombe à se connecter sur l'appareil photo. Donc c'est vrai qu'il y a toute une préparation. Il me faut déjà un quart d'heure pour m'installer. Ça, faut se dire ça. Faut déjà un quart d'heure pour s'installer. Live, voilà. C'est compliqué. Là, vraiment, je vous avoue, je sais vraiment pas comment je vais faire. Vraiment, vraiment pas. Donc, on verra bien. On verra bien. En même temps, je commence de flux de bonheur. C'est une bonne nouvelle aussi parce que je vais accueillir un troisième enfant. Donc voilà, je suis super contente en fait. Donc hop, là j'ai humidifié mon visage. Ensuite je vais prendre, on commence le soin là, parce que je papote, je papote, je papote. On commence le soin. Je prends mon nettoyant. Je mets deux petits coups de pompe et je vais venir nettoyer mon visage. Je remouille un petit peu parce que j'ai pas trop mouillé mon visage du fait que je suis dans mon bureau. Je suis pas dans la salle de bain. Dans la salle de bain, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique à nettoyer son visage et puis à le rincer. En fait, on peut rincer à grande eau. Hop, et là je vais utiliser mon appareil qui va bien nettoyer en profondeur. Si vous n'avez pas une brosse nettoyante, les filles, ça vaut vraiment le coup d'investir. Donc attention, parce que moi avant j'avais une brosse nettoyante que j'avais achetée sur Shein avec des poils et franchement ça me bousillait le visage. Alors, oui, rapide, et demain, c'est la reprise après 15 jours d'isolement avec ce fichu Covid, ça va faire mal. Ah oui, franchement, oui. Et ça va, tu t'es bien remise alors, dis-moi, tout le monde s'est bien remis à la maison? Ouais, moi aussi, quand j'ai repris, là, c'était dur. Mais de toute façon, en plus, je sais pas si toi, tu as le tour, mais moi, je trouve que le visage est quand même marqué. Moi, j'ai l'impression que j'ai des cernes, mais beaucoup plus fortes qu'avant. Tellement j'ai été fatiguée. Après, je dis pas là, j'ai retrouvé vraiment la pêche. Mais cette fatigue là, c'est juste incroyable quoi. Là, vous voyez les picots, c'est des petits picots souples en fait. C'est des petits picots en silicone. Je pense que c'est du silicone. Et comme ça, on nettoie bien en profondeur les pores. Ça, c'est vraiment un appareil que vous devez avoir. Alors celui-là, c'est vrai qu'il est vraiment top. Franchement, la brosse, les filles, ça fait. Alors c'était au Black Friday 2020. On en a trois dans la. On en a eu trois comme ça, des petits trucs comme ça. Honnêtement, quoi, j'ai toujours la même. Elle, c'est inusable. C'est inusable ces bazars-là. Et après, je rince. Alors, dans la salle de bain, c'est à grande eau. Ça va mieux. Là, c'est aux grandes toilettes. C'est pas grave. Et ça fait du bien.
Ça fait du bien, surtout démaquillez-vous le soir. C'est tellement, tellement important de se démaquiller, mais aussi de nettoyer son visage. Pas seulement le démaquillage, le nettoyer aussi après est très, très, très important. Surtout, utilisez un nettoyant qui va être adapté à votre type de peau. Ça, c'est vraiment aussi important. Là, dans le nettoyant Youology, hein, je vous en ai parlé un petit peu hier, vous avez des boosters que vous allez mettre, un petit peu comme, si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir ma vidéo d'hier où on a fabriqué, enfin, on a fabriqué, entre guillemets, quoi, comment ça s'appelle, ma crème de jour. J'ai les lunettes dans un état, je ne vois rien du tout. Ma crème de jour avec les petits boosters. Et c'est pareil pour le nettoyant. Et moi, le booster que je conseille à tout le monde, quel que soit le type de peau, c'est le booster exfoliant. Alors, c'est un exfoliant très doux, hein, mais vraiment, ça va bien, bien nettoyer du coup en profondeur. Moi, j'en avais bien, bien besoin. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes lunettes aujourd'hui, là. Punaise, elles brillent. Bon, je les mets par... Non, je les mets pas par au-dessus, j'ai peur de casser. Ah ouais, je vois quand même mieux. Encore un peu là, encore. Moi, les cernes, j'en ai toujours. D'ailleurs, il va falloir que je trouve un produit pour cela. T'as pas essayé? Tu peux demander à Nini, elle va t'en parler, hein. Parce que Nini, la crème contour des yeux, elle adore un truc de malade parce qu'effectivement, c'est un produit de malade. Ça marche hyper bien. Alors moi, je vous l'ai montré hier matin. Je la remettrai pas parce qu'en fait, dedans, il y a du soja. Et moi, je suis allergique au soja. Le soja, c'est très bon pour la peau. Mais pas pour moi. Voilà, c'est comme ça. Faut l'accepter. Donc moi, je l'ai remplacé là depuis quelques temps par l'huile Uplift que je viens mettre pour bien nourrir mon contour de yeux, en fait. Du coup, j'utilise ça. Mais sinon, la crème là. Oh, d'ailleurs, je la mettais, hein, je l'ai mise parce que j'avais au départ des allergies alimentaires soja, mais pas au niveau du contact. Je pouvais en mettre. Mais là, mes allergies dernièrement se sont un petit peu plus, pas aggravées, mais voilà, augmentées, on va dire. Et maintenant, elles sont devenues aussi au contact. Donc, que ce soit de l'ail, du soja, au niveau du contact, je ne peux plus trop. Donc, hier, je vous l'ai mis. J'ai été prendre un aérus après. Mais non, ça a été, vous inquiétez pas, ça a été très, très bien. Parce que c'était juste une fois, mais je ne pourrais pas en mettre tous les jours, on va dire. C'est pour ça. Et en plus, elle en promo, hein, ce mois-ci, Myriam, la crème contour des yeux. Ouais, t'en as parlé, ouais, franchement, elle est top. Elle est vraiment top. Hop. Allez, donc moi, je vais mettre mon huile bien ici pour bien nourrir là, cette partie-là. Après, je vais en mettre sur tout mon visage. Hein. Mais là, je viens d'abord mettre ici. Mes pattes de doigts, là. Enfin, c'est des oies de dinosaures. Mais le collagène va nous réduire tout ça. Allez, hop. Et puis après, je viens en placer. Mais comme ça, parce que sinon, ça coupe partout. Ça va vraiment, vraiment bien hydrater la peau. Ah, attendez, j'ai plus de batterie. Anaë? Tu peux monter mon chargeur? Il est dans le fauteuil, accroché. C'est celui avec l'embout blanc et le fil noir. J'avais même pas vu, j'ai plus de batterie. Hop. Et là. Non, mais c'est quoi de ces téléphones, Marie? J'en ai un qui était chargé. Et là, tu s'étais mis en veille. Je sais pas si ça coupe quand c'est comme ça sur Insta. Hop, voilà. Hop, c'est l'huile de beauté. Merci beaucoup. Hop, attendez, je vous mets à charger. Je vais vous recharger vos batteries. Qui c'est qui a besoin d'être rechargé un petit coup ce soir là?
écran. Ça charge. Attendez, je vérifie. C'est bon. Ah oui, effectivement, 16%. 16%, ce n'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon sérum anti-âge. Les sérums, vous en avez plusieurs. Vous avez le sérum illuminateur. Le sérum illuminateur, moi, je vous le conseille plus le matin, la rigueur. L'anti-âge le soir, moi je le mets matin et soir parce que voilà, je kiffe donc je le mets matin et soir. Et vous avez aussi le sérum Yoology que vous allez pouvoir personnaliser. Mais vraiment, l'anti-âge c'est vraiment mon chouchou. Voilà, c'est mon chouchou. Et puis, quant à mon âge, l'anti-âge. Ça doit devenir un truc que tu vas prendre dans tout. Dès que tu vas anti-âge. Allez, hop. On n'oublie pas le cou, surtout. Mais surtout ici, parce que vous voyez, ici, après, en vieillissant, on commence à avoir des petits plis. Bon, là, ça va, je vais. On reçoit notre collagène parce que avec mon mari, on fait la cure à deux. Du coup, moi, j'avais pris une cure de 30 jours. Genre, Marie, elle a pas percuté que, ben ouais, 30 jours, mais du coup, ça fait une boîte de 15 chacun, donc au bout de 15 jours, c'est tout, il n'y en a plus. Donc, comment dire, là, il nous reste. Attendez, parce que moi, je lui ai pris un sachet, je l'ai pris en bas ce matin, du coup, je lui ai pris un sachet dans sa boîte. Du coup, il en reste un, il reste pour demain, et ça va demain. Alors, j'espère que UPS va pas me faire un coup de Trafalgar et qu'ils vont me livrer mon sérum demain. Demain dans la matinée. Comme ça, on n'aura pas de coupure. Mais ça, faut que je prévoie du coup. Parce que vous savez, c'est pareil, quand vous prenez l'abonnement, attention, justement, parce que moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une boîte en plus. Comme ça, je suis sûre que je serai jamais en panne de collagène. Parce qu'on devient un accro à cette chose. Hop, allez, je vais faire un petit truc de froid là. J'ai plein de trucs pour le froid. J'ai ça qui vibre. Après, j'ai un truc de pierre de jade qu'on met dans le frigo là. Mais ça, c'est froid, c'est bon, il n'y a pas besoin. Alors, moi, je vais faire l'intérieur parce que pour pas casser ma patte-doie. Déjà, hein, on va y casser une patte. Bien qu'on aura envie, alors là, je ne le fais pas longtemps. Mais vous pouvez le faire plus longtemps, vous. Sans souci. Ouais, bien sûr, je t'envoie MP, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, parce que là, c'est bientôt la fin du mois. C'est quand le premier? C'est mardi. Donc c'est vrai que là, la promo, elle est intéressante. Franchement, elle est vraiment intéressante. Ça vaut le coup. Moi, c'est pareil. Hein. Il va falloir aussi que j'en reprenne. Profiter que c'est en promo. Ça sent trop bon. Alors moi, maintenant, je le mets à mon mari. Alors, j'en mets pas tous les jours parce que faut lui mettre. Non, mais. Ça me gave de faire ça en fait. J'ai dit le soir je mets ma crème et tout. Je sais pas, tu sais, tu pourrais venir mettre un petit peu de crème et tout. D'accord, ok, il est là. Puis vous savez, les enfants, quand ils sont petits, vous leur mettez de la crème solaire et tout ça. Et puis ils sont là comme ça là. Ah, j'ai horreur de ça. J'ai horreur quand il fait ça. Ça me gave. Je dis, mais arrête, je t'en colline. C'est terrible. Ah, oh, c'est terrible, 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 terrible. Mais bon. Mais bon. Alors, du coup, j'apprends pour lui. Ah, oh, non, mais c'est ça, c'est un homme, quoi. Je lui dis, tu fais un masque, alors je lui donne le pot. Ben, tu me le mets pas. Mais bon, ben, je vais te le mettre, quoi. Le masque. Là là. Et c'était quand? C'est quand on a refait un dimanche? Dimanche, j'étais dans mon bain, j'avais fait mes soins et tout. Je sais, ben, je tiens, pendant que le repas il chauffe, tu veux pas faire un soin et tout? Elle me dit, ouais, d'accord, ok. Et puis, alors, je lui donne, je mets la quantité d'exfoliant dans ses mains. Ah, mais il a appuyé. Mais comme un malade. J'ai dit, mais pourquoi t'appuies comme ça? Il était là, y aller, y aller. J'ai dit, mais non, on va pas faire comme ça. Oh là 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 là. Il fait, bah moi je fais, hein, vraiment un homme, quoi. Un homme dans toute sa splendeur.
Allez, ensuite, crème de nuit. Donc pareil, elle est personnalisée. Donc moi, mes crèmes, mon nettoyant, c'est pour la peau grasse, donc séborégulateur. C'est pour les pores dilatés. Voilà, c'est pour tout ça. Donc après, ça dépend. Vous avez apaisant, vous avez hydratant, vous avez reconstitution, vous avez pour les rides, réduler tout ça, quoi. Ça dépend vraiment de vos besoins, on va dire. Alors, une crème de nuit, c'est toujours plus épais qu'une crème de jour. La crème de jour est fluide. La crème de nuit est toujours plus épaisse. Parce que c'est la nuit que votre peau absorbe le plus, en fait. La peau, elle mange la nuit. Mais là, je vous dis, moi, le collagène, là, je crois que j'ai commencé. Je commence à avoir des petites choses. Hein. J'ai les ongles qui poussent plus vite. Alors, mes ongles poussent plus vite, mais ils sont toujours cassants. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, le collagène, c'est vraiment de là-haut que l'ongle va s'améliorer, je pense. Je suis désolée, mais je t'avance. C'est l'heure du coucher. Gros bisous. Et puis, gros bisous à tes petits doigts pour le dodo. Et du coup, tu m'as dit que tu reprenais quand le travail? Demain, c'est ça? Demain, attends, je redis. Je retrouve plus. Oui, demain. Alors, eh bien, écoute, bon courage, Myriam, pour la reprise demain. J'étais longue à lire, hein? Non, mes lunettes, c'est une tache, là. Il faut que je la nettoie bien. Donc je vous disais, moi je trouve mes ongles qui poussent plus vite. Là, je vais bien les relimer et tout parce que j'en ai rongé un tout à l'heure. En fait, j'en ai un qui était un petit peu cassé parce que j'ai les ongles qui sont tout striés en fait. Donc après, on va bien voir la différence. Je pense qu'après, les ongles, ils seront plus autant striés. Je pense pas. Donc là, je vais les recouper court, les relimer vraiment court parce que là, je les avais bien limés. Je l'avais même coupé en fait à ras et franchement d'habitude il ne pousse pas aussi vite. Et j'ai même mon mari, on dit rien. J'ai même mon mari tout à l'heure, il me disait, punaise, ton truc il fait pousser les ongles. Il a coupé ses ongles de pied. Ah oui, je sais, c'est glamour, mais bon, vous avez envie de couper, c'est comme ça. Hein. Et effectivement, alors lui en plus déjà, ses ongles poussent vite. Donc je crois lui c'est un truc qu'il va peut-être moins aimer que ses ongles poussent encore plus vite. Allez, on va mettre notre petit sérum sur nos cils hein, pour les aider à pousser encore plus. Les renforcer. Leur faire du bien. Il y a une chose que j'ai oubliée, les filles. Il y a une chose que j'ai oubliée. Et j'oublie souvent ça. C'est mon eau de rose. Vous voyez, après m'être nettoyé le visage, j'aurais dû mettre mon eau de rose. Mais à coup de pas, j'ai oublié. On était parti là dans les discussions là. Hop, donc là on met sur les cils. Il n'y a pas besoin d'aller sur la base des cils. Vous mettez du milieu jusqu'à l'extrémité, jusqu'aux pointes. Et vous le mettez comme ça. Faut pas que le sérum soit en contact avec vos yeux, avec la muqueuse de votre œil, parce que ça peut piquer. Voilà. Vous pouvez mettre aussi sur vos sourcils, si vous avez un trou. Et pareil, si votre chéri a une barbe, et puis parfois les hommes, il y a un endroit, on ne sait pas pourquoi, ça pousse un peu moins bien, il peut en mettre aussi, ça va aider à la repousse. Voili, voilou. Et puis, on va finir avec petit soin des lèvres. Vous avez vu, je vous avais parlé de l'exfoliant hier. Et depuis hier soir, l'exfoliant est en promo. Alors, c'est l'exfoliant, c'est pas celui-ci. C'est l'édition limitée qui était sortie pendant les Black Friday. C'est l'édition menthe poivrée. Là, c'est goût nature, on va dire. Hein, nature. Et l'autre, c'est menthe poivrée. Donc, hop.
Et ça, vous pouvez l'utiliser sur les enfants. Il n'y a pas de souci. Hein. On applique. On fait des petits mouvements circulaires. Ah, moi, quand je l'ai, j'ai du mal. J'aurais envie de le manger. Tellement c'est bon. Hop. Voilà. Après, on prend un petit mouchoir en papier. On a envie de le manger. Un manque poivré, c'est super bon. Et voilà. Et le tube est blanc. C'est pas un tube noir comme ça, c'est un tube blanc. Je l'ai pas là. Pas vous montrer parce que je l'ai pas là. Et ensuite, petit beurre à lèvres pour bien hydrater. Là, c'est la couleur spadée. En fait, c'est un transparent. Voilà. Et on est prête pour aller dormir. Parce que demain, debout à 5 heures. Voilà. Donc, le soir, on se démaquille. On choisit un démaquillant qui me convient. Et aussi, parfois, voilà. Parfois, je vous avoue que les lingettes, c'est pratique parce que parfois le soir, on est fatigué. Et dedans, il y a du concombre. Ça rafraîchit, ça fait du bien. Il y a des soins aussi à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas tout ce que je vous ai montré, que vous avez juste une crème de nuit, ça, la crème de nuit, c'est très bien. Mais entre deux, le nettoyant, je dirais. Ça, la crème de, le nettoyant et la crème de nuit. Vous voyez, vous avez ça. C'est top. C'est top, top de chez top. Après, vous avez aussi le baume démaquillant. Je viendrai vous parler la prochaine fois. Une prochaine fois, peut-être pas la prochaine fois, parce qu'il faudrait peut-être qu'on se maquille un jour quand même, là. Parce que c'est vrai que ma face, là, en story, ça fait peur. Donc, un petit maquillage, ça fera du bien. Et je sais plus qu'est-ce que je disais. Oui, vous avez le baume démaquillant, enfin le baume nettoyant. Là, c'est un vrai soin spa. Ça fait trop du bien. Franchement, c'est super bien, quoi. J'ai même pas trouvé de mots. Tellement c'est top de chez top. Voilà, les filles, pour ce petit live du soir. Une demi-heure. Ce week-end, je vais réfléchir. Je vais réfléchir comment on va faire pour nos petits rendez-vous quotidiens de la semaine, du lundi au vendredi. Parce que c'est vraiment important pour moi de venir vous voir tous les jours, de papoter. Même s'il y a des fois, je papote tout seul, mais c'est pas grave. Après, vous me répondez en replay. Et puis je vous tiens au courant. Je vous mettrai en story. Je reviendrai en live, vous le dire. Je ferai un petit sondage. Je ferai un petit sondage sur ma page et un petit peu partout, je mettrai des sondages pour savoir un petit peu l'horaire qui vous va le mieux. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve tantôt. Bisous, bisous.